Bonjour, are you having trouble with your French? Well, we are going to see the word trouble in French in this lesson. Let's start with the first meaning of the word trouble, which is problem in English. We use the word ennui in French. Ennui is masculine, and as you can see, we use here the plural form, les ennuis, des ennuis. Of course, we could also use the word problème in French. I'm in trouble. I am in trouble in English and in French. J'ai des ennuis. J'ai des ennuis. As you can see here, we've got the verb avoir, to have, but in English it's the verb to be. I am in trouble. J'ai des ennuis. Okay? So the infinitive form is to be in trouble, and in French, avoir des ennuis. Let's add an adjective, the adjective big in our sentence. And we have, I am in big trouble. What is the translation of that? Well, j'ai deux gros ennuis. J'ai deux gros ennuis. And as you can see, the difference is in the first sentence we've got des, and here we've got de. Why? Well, there is a lesson about that. There is a video if you want to have a look. But to make it short, actually, when the adjective, like here, gros, is before the noun, we use de. If it's after, well, we use des. For example, j'ai des ennuis importants. And in this case, we say des. J'ai des ennuis importants. But here, j'ai deux gros ennuis because gros is before ennui. Okay? He asked me not to make trouble. Now, we want to translate the expression to make trouble. Il m'a demandé de ne pas causer de problème. Il m'a demandé de ne pas causer de problème. To make trouble is causer des problèmes, causer des problèmes. So here to make is not faire in French is causer in this expression, causer des problèmes. To make trouble for someone, how to translate here the preposition for, in French we use à, causer des problèmes à quelqu'un, causer des problèmes à quelqu'un. Pierre cause des problèmes à Charlotte et c'est pas bien, c'est pas gentil du tout et non. Ok? So here, remember that to make trouble is causer des problèmes. Ouais, cela me cause des problèmes, il arrive toujours en retard, c'est pas possible. Some expressions, trouble-free, how do you say that in French? We've got two possibilities, sans histoire, sans problème, with an S or no S actually, because it's without. Sans histoire, sans problème. So if you want to say, for example, a trouble-free journey, un voyage sans histoire, un voyage sans problème. Alors, ton voyage, c'était comment? Oh, un voyage sans histoire, super bien. A trouble-shouting guide, how to translate that, trouble-shouting, the expression. Well, in French, we use the word dépannage, un manuel de dépannage ou un guide de dépannage. To translate trouble-shouting guide, and to troubleshoot, for example, a computer or a mobile, we say dépanner, dépanner. Okay, dépanner un téléphone, dépanner un ordinateur. Let's see now the second meaning of trouble. This time it's a verb, to trouble, and the meaning is to bother. In French, we use the verb déranger. Déranger. Let's see how. I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. Je suis désolé de vous déranger. Je suis désolé de vous déranger. Or if you know the person, je suis désolé de te déranger. Don't trouble yourself. So you are eating, you need water, but the bottle is too far. But, well, you are going to make the effort. So you can say to your friend or to somebody, don't trouble yourself. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas, je vais prendre la bouteille d'eau moi-même. And if you know the person, it is ne te dérange pas. Non, ne te dérange pas, je vais le chercher. Je vais chercher l'eau. Ne te dérange pas. OK? Let's see now to finish this little conversation, mixing the different meanings of trouble. Depuis ce matin, je n'ai que des problèmes. Rien ne marche.
J'ai perdu mon mot de passe et je ne peux pas réinitialiser un nouveau. Il m'a dit que ce serait un travail sans histoire, mais je suis désolé de te déranger. J'ai besoin de ton aide. So, I hope here you recognize the use of the word and the verb trouble and to trouble here. So, je n'ai que des problèmes. It's I only have problems or I'm big trouble. Rien ne marche. Nothing is working. J'ai perdu mon mot de passe. I lost my password. Et je ne peux pas réinitialiser un nouveau. Je ne peux pas réinitialiser un nouveau. Is I am in trouble with resetting a new one, a new password, of course. Il m'a dit que ce serait un travail sans histoire. So here, un travail sans histoire. So a free trouble work. Il m'a dit que ce serait un travail sans histoire. Mais je suis désolé de te déranger. J'ai besoin de ton aide. I need your help. OK? So one more time, if you want to read it with me. Depuis ce matin, je n'ai que des problèmes. Rien ne marche. J'ai perdu mon mot de passe et je ne peux pas réinitialiser un nouveau. Il m'a dit que ce serait un travail sans histoire. Mais je suis désolé de te déranger. J'ai besoin de ton aide. OK? Well, I hope now that you are not in trouble with French because c'est fini. Alors, à bientôt. Bon français. And don't forget, please, to subscribe to my channel. Au revoir.